Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, budget 2017-2018, la sous route pour entrer en application malgré protestation cap sorti dans plusieurs secteurs dans vie nationale là. Et les États-Unis imposaient sanctions sur 8 banques avec 26 autorités bancaires dans la Corée du Nord dans un moment de tension à monter entre Washington et Pyongyang. Président Donald Trump a annoncé jeudi Madia, il pourrait visiter Porto Rico mardi soir, 2 semaines après territoire américain a subi gros dévastation en bas cyclone Maria. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment sous la voie de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC. Monsieur Dame, merci d'avoir choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité appelé nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté loi finance 2017-2018 là, que exécutif là, t'es publié, ça pas gagné longtemps là, dans le journal officiel pays, le Moniteur. Eh bien, là, entré en application dans le commencement mois d'octobre là, malgré tout gros mouvement de protestation. Président Jovenel Moïse, pendant passage dans New York, dit, l'a appliqué tout ça qui est dans le budget. C'est moi qui ai fait ça. Moi là pour nous diriger tout Haïti. Haïti, tout le monde supposé couper en bas la roi. Même genre moi-même, je fais le roi pour me couper en bas la roi. La loi dit qui ça? La loi dit que le pouvoir exécutif là, vous préparez un budget, vous présentez le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif là, il y a 2 choix. Un choix pour voter le budget pour, avec un vote de confiance. On l'a choix pour le voter là avec mon vote de non-confiance. Mais le voter là avec mon vote de non-confiance, la loi dit que, pour qu'à reconduire le budget, il faut devenir rien. Et si, il voter là avec mon vote de confiance, pour publier, pour appliquer ça dans le budget. Moi, publier le budget et moi, appliquer tout ça dans le budget. Mais pour tout le monde, moi-même, je ne vais pas retirer un iota dans l'application que je vais faire. Dans ça, je vais mettre dans le budget qui chita sur le développement 27 750 km² d'Haïti. Dans le budget, ça a gagné provision pour 146 communes dans le pays. Côté nous dit, Haïti, il y a 140 communes qui sont magistrats. Il y a 6 communes qui sont beaucoup magistrats. Mais, en d'un budget, il y a des provisions pour 146 communes. En d'un même budget, il y a des provisions pour 572 sections communales qui sont dans le pays. 570 qui sont dans le pays. Mais c'est deux autres qui sont. Tout le monde n'est pas dans le budget. Président haïtien Jovenel Moïse t'a parlé comme ça pendant passage dans New York, côté il t'a participé dans 72e session Assemblée générale Nations Unies. Pendant ce temps, mouvement protestation contre budget à tout gouvernement après à poursuivre dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces. Maître André Michel, membre secteur populaire qui regroupait plusieurs organisations politiques, annonçait une semaine manifestation dans plusieurs villes pays pour demander président haïtien Jovenel Moïse tendez-vous à peuple. Après 2 journées de réflexion, nous décidons, comme un seul homme, comme une seule femme, de continuer la mobilisation. Budget criminel, ça, qui visait à appauvrir le peuple, qui visait décapitaliser la classe moyenne, budget ça, pas passé, même si on publie. Mobilisation pour nous accompagner, syndicat greffier, juge qui a demandé meilleur salaire, syndicat OAVCT, syndicat CNE, mobilisation, ça n'a pas campé dans la route. Et dans ce sens, ça, semaine ça, son semaine de combat, son semaine de mobilisation. Jeudi, Capina a bien manifestation dans le plateau central. Même jeudi, a bien manifestation au Cap. Jeudi, mercredi, a bien manifestation Saint-Marc, Tigouave, Jacmel, Léogane. Jeudi, a bien manifestation Port-au-Prince. Samedi,
après manifestation pour nos princes. Et parcours manifestation, il a commencé pour nos princes. Devant Saint-Jean Bosco, Chanmas, Kakoubeyan, Napdesan La Saline, Monte Delma 2, rentrer Delma 4, nous tout avons rencontré Kakoubeyan, nous avons rentré Delma 18, nous avons monté dans l'autoroute Delma et nous avons rentré en dedans Delma 32. Pour nous passer qu'il soit la nuit et puis devant le palais national, on a dit Jovenel Moïse, Péria, pas pour lui. Maître André Michel, bon côté parle, ancien président Sénat, Simon Dussel Dira, qui a participé dans la même rencontre à la presse, avec la presse, l'a fait qu'on est président Jovenel Moïse, pas si président Jovenel Moïse, pas tant de raisons, opposition obligée de manifester pour déboulonner le pouvoir. Je dis qu'il y a un président. Le président dit que le président n'a pas compte fait pas. Donc comme nous sommes au neutre, nous avons décidé de passer vite à 5e non, pour être survivable. Nous avons passé vite à 5e parce que nous n'avons pas fait pas tout. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait, parce que nous n'avons pas fait tout ça avec nous, parce que nous avons beaucoup de choses. Moi, je veux exemple, tous les discours, quelques parlements du gouvernement ont fait pour dire qu'on va rectifier le budget. Rectifier le bagage, il faut commencer à exécuter. Nous ne parlons pas de rectification, pas de rectification, nous avons dit qu'il y a. Une fois que publié, la avait dit qu'il n'y a pas de voix peuple. Le peuple va intéresser eux, tout ce qui est dans le pays, c'est Fatra. Et bien nous-mêmes, comme c'est nous qui sommes Fatra, nous-mêmes, nous avons jeté notre belle histoire. Définitivement, nous disons que c'est Galsko les Gouniens, pas que BAC encore. Comme président de l'Université de l'Université, le président n'a pas qu'on fait BAC. Et bien, comme il a qu'on fait BAC, machine est honnête, nous avons fait machine de côté des patinés, nous sommes déboulonnés tout pour nous. Donc, c'était ancien président Sénat haïtien, Dieusel Simon Dera. Et cela n'a pris en pause avant nous à l'ouest. Point cap dominé actualité à sous plan international. La Voix de l'Amérique a permis d'être depuis Washington DC. Bienvenue dans le développement actualité à sous plan international. Les États-Unis imposaient sanctions sur 8 banques avec 26 autorités bancaires en Corée du Nord en moment tension à monter entre Washington et Pyongyang à cause du programme nucléaire nord-coréen. Dans une déclaration, ministre Trésor américain Steven Mnuchin fait paraître Lydie Napsité. Décision ça vient renforcer et stratégie nous pour nous isoler Corée du Nord plus toujours de quoi pour nous réaliser objectif nous qui c'est river gagner un presqu'île Corée Pacifique et sans armes nucléaires. Fin de citation. Semaine passée, le président Donald Trump a signé un décret qui mandait nouveaux sanctions contre quelques monde et entreprises qui a financé commerce avec régime communiste isolé nord-coréen et financé tout programme développement zamlien. L'autre point dans l'actualité internationale, là, consultant politique américain Roger Stone, qui associé depuis longtemps avec le président Donald Trump, fait qu'on est l'impact mêlé dit tout dans soi-disant manque et mélange qui t'a fait avec la Russie et qui t'a gain rapport avec l'élection présidentielle année passée. Monsieur Stone parlait comme ça à Jody Madia avant l'été présenté devant commission service secret Chambre des représentants pour te faire déposition. Dans une déclaration consultant politique la publiée dans avant ouverture session qui déroulait à toute porte fermée, il dit li quoi li clair que c'est un pays étranger t'ai fait combinaison avec une équipe campagne présidentielle là, mais d'après lui c'est enquêteur qui doit checker avec pays Ukraine avec candidat démocrate là Hillary Clinton sous dossier ça. Monsieur Stone ajoutait, li pat konnen d'avance qui laisse qui te remettre email que WikiLeaks t'a publié ni qui date yo te gain pour yo te sortir la palais de courrier électronique ancien directeur campagne Hillary Clinton nan John Podesta. Monsieur Stone dit fini pas dit li pat jamais mêlé nan aucune activité illégale nan non client yo. Toujours une actualité internationale là, la police en Israël fait qu'on est nèg armé té ouvert coup d'âme dans entrée en colonie peuplement juif tout près ville Jérusalem côté li touye trois agents sécurité.
Autorité au fait qu'on est, yon quatrième garde sécurité israélien blessé tout dans attaque là qui fait nan devant communauté, yon communauté israélienne Ad Adar. Yon porte-parole la police fait qu'on est assaillant et entré nan poste inspection ensemble avec travailleurs et après ça, il était ouvert coup de zam. Nèg Amea mouri en babal l'autre force sécurité qui était présent. Président Donald Trump annoncé jodi madia li pral visiter Porto Rico madi Cap Vinila soit deux semaines après territoire américain te subi gros dévastation en bas cyclone Maria. Président Trump qui dit li choisi date madi 5 octobre la Cap Vinila pour aller sous Ilea yon façon pour pas déranger travail secourisio nan cadre effort qu'a fait souterrain pour aider victimes ouragan catégorie 5 là. Oui, président Trump précisé les États-Unis déjà voué en pile assistance by population. We have shipped massive amounts of food and water and supplies to Puerto Rico and we are continuing. Président Trump dit là nous voyons gros quantité manger à glos et matériel by Puerto Rico et nous continuer à faire ça chaque temps cap passé mais il a été subi plus gros fois nous te ca imaginer. Il nous dit à président Donald Trump te voyé yon série message sur compte Twitter lui pour le dire c'est infrastructure Puerto Rico qui pas gain bon gens répondant qui la cause li subi yon impact sévère comme ça en bas cyclone Maria. Et puis aux États-Unis, sondage sous cote popularité yon président, c'est un facteur d'appréciation simple, mais qui pesait lourd dans opinion publique là concernant façon premier mandataire pays a fait travailler dans un moment donné. Li important en pile parce que li offre un moyen pour moun connait qui façon peuple a apprécié président et puis évaluer possibilité li gagner pour accomplir mission. Cependant, dans une interview rédacteur en chef organisation sondage Gallup en parlant de Fort Newport by journaliste La Voix de l'Amérique Jelade Francici, il fait qu'on est sondage yo gagné conséquences surtout. On suit. D'après Fort Newport, si public là-bas est président bon canet, ça bali plus autorité pour prendre décision et ça fait une plus facile pour Congrès approuver programme politique les. Monsieur Newport dit yon cote popularité qui faible qui a créé difficulté pour yon président. Right now with the president. Kounye la nan yon moment côté président Donald Trump gagne yon cote popularité qui pi bas longtemps passé 50%. Ça fait yon moun konnen majorité peuple américain pas d'accord avec façon président a fait travail. Ça fait devin plus difficile pour président appliquer programme gouvernement. Mais dans un climat politique chargé de division comme ça, président besoin appui tout côté li ka joine. Pour yon président gagne yon cote popularité entre 50 et 60%, non seulement li doit joindre approbation membre propre parti politique liya, mais tout li doit joindre appui membre indépendant avec l'autre parti politique là. Et puis c'est une bit difficile pour le président enregistrer une cote popularité qui pire parce que y a un bon parti dans l'électorat qui est appuyé par l'autre parti. Ya, fait qu'on est, quel que soit sa président fait, il n'y a pas d'accord avec lui et il n'y a pas bougé sous position. Cependant, d'après M. Newport, division politique, ça n'a pas commencé sous l'administration Trump-là. Il était commencé sous le gouvernement président George W. Bush-là pour arriver sous l'administration Obama. Faut que Newport dit tout effort un président fait pour améliorer la cote popularité. Jouer un blocage dans une division qui a développé dans la politique américaine et qui s'y maille un sentiment conservateur ou libéral excessif dans différentes circonscriptions. Pas gagné circonscription mélangée encore. Électeur qui a tendance à lui candidat extrémiste dans deux parties. Moun qui reporte l'élection, c'est candidat qui a opinion qui a vint pi extrémiste. Moun qui a constaté un nouveau modèle média qui mélange business avec émotion. Canal Fox News, c'est un exemple. Une fois encore, Frank Newport. Là, il a abordé travail média à partir de une perspective monétaire, côté émotion, moun yon influencé opinion. Yo. Par exemple, sous par aimé, un président qui a tendance à aborder tout ça, le fait avec émotion. Somebody who reinforces your opinions. Cependant, sondage Gallup a montré confiance publique dans les politiciens et avec la presse pas suspendu baissé. Majorité américaine pire aimé ouais coopération au lieu de partis américains. Public là, t'as pire aimé ouais dirigeant et l'union coopérer. Entendre plus, essayer faire ça qui est pire bon pour le peuple en général, au lieu pour yon dit, nous pas fait compromis, nous devons rester sous position rigide, nous, quitte ces républicains, quitte ces démocrates. Pour que nous portes finir par dire inapcité, sans dire peut-être public américain en fin pas ouais. Le plus difficile pour un gouvernement bien marché avec division qui existait sous scène politique là, journée jeudi à.
Et c'est avec dossier ça que nous avons mis fin dans Nouvel Le Monde sous la Voix de l'Amérique. On y a un moment arrivé pour nous partager avec les stations télévision qui transmettent le programme ça dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. C'est d'abord Radio Télé Guinée, Canal 18 dans Port-au-Prince, Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé Seven Stars, Canal 7 dans Villehinche, Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, Canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Camperin, tout près Ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, Canal 4 dans Ville Jacques Mel, Télé Orbite, Canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, Canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, Canal 48, Cap Digital 104 dans Cerca Carajal, et puis Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays de la France, Canal 436 sous Freebox, Canal 369 sous Bbox, et puis 709 sous Cab Numérique. Et puis, qu'on y a, n'a pas retourné dans un point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Décision administration Donald Trump prend pour interdire citoyens 8 pays entrer aux États-Unis pas marché dans sentiment différents secteurs qui croient nouvelle mesure ça toujours ciblé plusieurs pays à majorité musulman. Dans segment spécial là et information en gros plan, Jean-Robert Philippe dit nous nouvelle mesure ça voulait dit groupe qui compte yo doit présenter un nouveau dossier devant Cour suprême pays. Entendez segment spécial là information en gros plan. Jean-Robert Philippe. Cour suprême États-Unis a annulé des positions qui t'a fait sous première version interdiction voyage président Donald Trump t'a imposé contre citoyens 6 pays à majorité musulmans. Raison, c'est à cause de nouveau interdiction président prend qui cible 8 pays parmi eux Venezuela avec Corée du Nord. John M. Atkinson, directeur exécutif Catholic Legal Immigration dans Georgetown University, déclaré lundi 25 septembre, non, sous printemps, pourtant des conversations citoyennes à faire pendant la période ça, eh bien, on obtient des opinions qui sont dans différentes directions. C'est une question qui est complexe à cause du changement qui gagne dans la nouvelle interdiction voyage là. C'est une nouvelle interdiction voyage que nous devons considérer d'après responsable. D'après son savant américain, yo, nouveau interdiction voyage là, cap entrer en application 18 octobre cabinet là, 10 pays concernés yo refusé partager information avec États-Unis sous terroristes avec l'autre question. Avocat haïtien Larry Florentin a pédé de comprendre. Nouveau mesure ça, pendant l'étape pour une question, Lionel Desmarats sous Skype. Et nous étions capables de dire que, en restriction à lui-même, il est plus placé pour gouvernement officiel Venezuela, côté que, il n'est pas capable d'en joindre non seulement et business visa ou bien et business visa. Vous avez vu que le suspend et tout le gouvernement censé ou pas capable d'entrer, si vous êtes officiel dans le gouvernement Venezuela, ou pas capable d'entrer tout parce que le suspend non seulement pour business avec business visa. Organisation de l'Azumée avec l'autre groupe qui travaille avec immigrants réagit négativement avec nouveau décret présidentiel là. Conseil relations islamiques américains, puis organisation de droits civiques musulmans aux États-Unis, dit dernière version interdiction voyage là que président Trump publié a représenté calendrier l'aide suprémaciste blanc. Dans une nouvelle déclaration, président Trump déclaré, comme président États-Unis, moi de agir pour protéger sécurité avec intérêt États-Unis avec population, fin de citation. Nouveau Mésia a retiré Soudan sous les 6 anciens pays, pendant qu'il y a ajouté Tchad, Venezuela avec Corée du Nord, qui n'a eu un petit défiboulé avec États-Unis sous armes nucléaires. États-Unis accusé Corée du Nord, il dit qu'il pas coopéré avec l'administration américaine, n'a partagé information. Venezuela figure sous l'isla tout à cause autorité yo pa vle coopérer pour dire si oui ou non citoyen pays yo a représenté une menace pour États-Unis sans oublier gouvernement Caracas a refusé accepter citoyen pays a que États-Unis déporté. Tchad, un partenaire valable et important dans lutte contre terroristes là, pas partager information qui gagne pour avec activité terroriste avec l'autre information sur sécurité publique d'après autorité américaine. Amnesty International critiquait interdiction voyage États-Unis imposée sous citoyens 8 pays, qui c'est Tchad, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Syrie, Venezuela avec Yémen.
Contrairement avec ancien décret présidentiel sur l'interdiction de voyage là, nouveau décret a parlé de activité terroriste, sécurité, sans l'hypocrisie religion comme base, décision, groupe ou bien organisation cap défendre immigrants yo, capable porter dossier devant tribunal pour justifier raison qui fait États-Unis pas capable interdire entrée sur territoire citoyen 8 pays ça yo, excepté si yo représente une menace pour sécurité États-Unis. Jean-Bert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, ou toujours sous la voix de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Faut dire que dans le moment, on a parlé là, gant pile boule capoulé dans le cadre Ligue Champion européenne, et des résultats qui commencent à tomber. Mais avant ça, on a la nouvelle souveraineté avec Marie-Louis Pierre, et après ça, on a vu quelques résultats partiels pour Ligue Champion européenne. Entendez Marie-Louis Pierre dans la nouvelle souveraineté. Mwen kontan ave nou apremidi a, chanteuse Gwen Stefani anonse li gen yon nouvo album ki pral soti pou fèt Noël la. Tit album sa se You Make It Feel Like Christmas. Li deja fè montan de premye ekstrè album nan avèk Amorelli, Blake Shelton epi tou li bay tout li chante ki pralè sou album sa. Nouvel li rapote se yon tre bel surprise pou fanatik Gwen Stefani yo. Supermodel Heidi Klum konfirme by People Magazine que li kwè li important pou yon moun fè yon pose et puis réfléchi. Gen lè gen yon ti problème an supermodel la avec ménager depuis 3 ans Vito Schnabel. Sa pa gen longtemps Daily Mail te poste photo Schnabel ki tap bo avec yon fi brune nan yon taxi. Sa passé depuis nan mois de juin. Daily News rapote Monsieur Damio te soti nan yon restaurant nan vi Londres et yon te commencé bo depuis nan restaurant et puis yon continue nan taxi a. Et puis après ça, chaque monde fait route pa yo. Hochelaga, Terre des âmes, film réalisateur québécois François Girard. C'est film ça que yo choisi pour représenter Canada nan Oscar yo qui vient pour dérouler nan date 4 mars 2018 là. C'est un drame historique qui raconte l'histoire d'un jeune archéologue qui découvre un site original dans Montréal. Yo gen espoir que film ça capable joindre une nomination dans la catégorie meilleur film en langue étrangère dans la cérémonie Oscar yo année prochaine. Naptop. Gembri kap kouri comme quoi Catherine McPhee a sorti avec producteur David Foster qui gagnait 34 ans en plus. C'est rumeur ça kap kouri depuis quelques semaines sur site E-News. Site la rapporté que Monsieur Damio t'est montré au très intime pendant une table dîner dans Malibu. David Foster gagne 67 ans et Catherine McPhee gagne 33 ans. Nous pas connaître si c'est rumeur seulement ou bien si y a plus passé ça. Ni Catherine ni David yoyun pas confirmé nouvelle là. Merci pour attention mes amis. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Ben non, pratiquement arrivé dans fin programme. Non, l'autre fois encore, nous disons merci pour attention, merci pour fidélité. Nous apprécions en pile et téléspectateurs qui dans plusieurs villes, plusieurs pays, que ce soit en Amérique, surtout en pile les amis qui écoutent nous dans zone Amérique latine, Amérique du Sud, que c'est Chili, Mexique et l'autre côté encore. Nous apprécions ça. L'autre fait nous petit babayo sur Facebook et live nous apprécions ça. Faut dire que dans le moment que n'a pas les là, dans pile boule capoulé dans Ligue Champion, nous connaît Ligue Champion, c'est compétition football au niveau club qui est plus prestigieux. Et dans le moment n'a pas les là, c'est pas qu'on a si résultat qu'imbé comme ça, c'est Real Madrid a mené 2 à 1 sous Borussia Dortmund. Donc Real Madrid a joué en déplacement en Allemagne, gain FC Porto qui 2 à 0 sous Monaco. Français ont dit c'est piégé. Et Manchester City lui-même a mené tout et puis n'a 3 à 0 sous Feyenoord de Rotterdam et puis un gros match demain, c'est Bayern de Munich qui a joué en déplacement Kai Paris Saint-Germain et monsieur Neymar là, Di Maria là. Donc belle boule en perspective. Nous arrivons à faire un programme dans la technique là, nous avons gagné Rob McLean, Dan Crafton, Mike Frank, sans oublier Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre et Lionel Demarat et puis toute notre équipe là. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir, à demain.
syndicat CNE, mobilisation ça n'a pas campé dans le monde. Et dans ce sens-là, semaine ça, son semaine de combat, son semaine de mobilisation. Jeudi, Capina a bien manifestation dans le plateau central. Même jeudi, a bien manifestation au Cap. Jeudi, mercredi, a bien manifestation Saint-Marc, Tigouave, Jacmel, Léogane. Jeudi, a bien manifestation Port-au-Prince. Samedi, a bien manifestation Port-au-Prince. Et parcours manifestation, yo, il a commencé pour Port-au-Prince, devant Saint-Jean Bosco, Chanmas, Cacoubeyan, Nap descendre la Saline, monter Delma 2, rentrer Delma 4, nous tout avons rencontré Cacoubeyan, nous avons rentré Delma 18, nous avons monté dans l'autoroute Delma et nous avons rentré en dedans Delma 32 pour nous passer qu'il soit la nuit et puis devant Palais National, pour nous dire Jovenel Moïse, pays pas pour lui. Met André Michel, bon côté parle ancien président Sénat, Simon Dussel Dira, qui a participé dans la même rencontre à la presse, avec la presse, l'a fait qu'on est président Jovenel Moïse, pas si président Jovenel Moïse, pas tant de raisons, opposition, obligé de manifester pour déboulonner le pouvoir. Je dis que il y a un président, président n'a pas compte fait pas. Donc, comme nous, on est machiné, on est, nous-mêmes, nous décidons de passer vite à 5e, non, pour qu'il y ait sa privable. On passe vite à 5e parce que nous ne pouvons pas faire pas tout. Et c'est pas parce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous ne pouvons pas faire ça avec nous, parce que nous comptons. Moi, par exemple, nous avons tous les discours, quelques parlements du gouvernement à faire pour dire que nous allons rectifier le budget. Pour rectifier le bagage, il faut commencer à exécuter. Nous-mêmes, nous allons parler de rectification, nous allons dire qui a publié. Une fois que le publié, il avait dit qu'il n'y avait pas de peuple, le peuple n'a pas intéressé, tout ce qui est dans le pays, c'est Fatra. Et bien nous-mêmes, comme c'est nous qui sommes Fatra, nous-mêmes, nous avons jeté une belle histoire. Définitivement, nous disons que c'est gaz pour les Guinéens, pas que BAC encore. Comme président, nous avons seulement dit que le président n'a pas qu'on fait BAC. Et bien, comme nous avons fait BAC, machine honnête, nous avons fait machine de côté des patinés, nous sommes déboulonnés tout. Ici, il faut la récompense de confiance pour publier ou appliquer ça dans le budget. Moi, publier le budget et moi, appliquer tout ça dans le budget. Je pour tout le monde, je ne vais pas retirer un iota dans l'application de quoi faire. Dans ça, je vais mettre dans le budget qui chita sur le développement. 27 750 km² d'Haïti. Dans le budget, ça a gagné provision pour 146 communes dans le pays. Côté nous dit, Haïti, il y a 140 communes qui ont magistrat. Il y a 6 communes qui ont gagné magistrat. Mais en un budget, il y a des provisions pour 56 communes. En un même budget, il y a des provisions pour 572 sections communales qui sont dans le pays. 570 qui sont dans le pays. Plus de l'autre. Tout le monde n'est pas dans le budget. Président haïtien Jovenel Moïse t'a parlé comme ça pendant passager dans New York côté il t'a participé dans 72e session Assemblée générale Nations Unies. Pendant ce temps, mouvement protestation contre budget avec tout gouvernement après à poursuivre dans Port-au-Prince et dans quelques villes pauvres. Maître André Michel, membre secteur populaire qui regroupait plusieurs organisations politiques, annoncé une semaine manifestation dans plusieurs villes pays pour demander président haïtien Jovenel Moïse tendez voix peuple. Après deux journées de réflexion, nous décidons, comme un seul homme, comme une seule femme, de continuer la mobilisation. Budget criminel, ça, qui visait à appauvrir le peuple, qui visait décapitaliser la classe moyenne, budget ça, pas passer même sur le budget. Mobilisation pour nous accompagner, syndicat de pied. Welcome to the Voice of America in Creole.
Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizère. Grand point cap dominé actualité en Haïti, budget 2017-2018 la sous route pour entrer en application malgré protestation cap sorti plusieurs secteurs dans vie nationale là. Et les États-Unis imposaient sanctions sur 8 banques avec 26 autorités bancaires en Corée du Nord dans un moment de tension à monter entre Washington et Pyongyang. Président Donald Trump a annoncé jeudi Madia, il pourra visiter Porto Rico mardi soir, deux semaines après territoire américain a subi gros dévastation en bas cyclone Maria. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour vous dans un petit moment sous la voie de l'Amérique, la première depuis Washington DC. Monsieur, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité à nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté loi finance 2017-2018, là, que exécutif là, t'es publié, ça pas longtemps là, dans le journal officiel pays, le Moniteur. Eh ben, là, entrée en application dans le commencement mois d'octobre là, malgré tout gros mouvement protestation. Président Jovenel Moïse, pendant passage dans New York, dit, l'a appliqué tout ça qui est dans le budget. C'est moi qui ai dit ça. Moi là pour me diriger tout à l'heure. Tout le monde supposé couper en bas la roi. Même genre moi-même, je fais le roi pour me couper en bas la roi. La loi dit qui ça? La loi dit que vous voyez l'exécutif là, vous préparez un budget, vous présentez le pouvoir législatif. Pouvoir législatif là, il y a deux choix. Un choix pour voter le budget pour, avec un vote de confiance. On l'a choix pour voter là avec mon vote de non-confiance. Mais le voter là avec mon vote de non-confiance, la loi dit que pour qu'à reconduire le budget pour devenir un. Qui déroulait à toute porte fermée, lui dit. Li quoi li clair que c'est un pays étranger qui fait combinaison avec une équipe campagne présidentielle là, mais d'après lui, c'est enquêteur qui doit checker avec pays Ukraine, avec candidat démocrate là, Hillary Clinton, sous dossier ça. Monsieur Stone a ajouté, li pat konnen d'avance qui laisse qui te remettre email que WikiLeaks te publié ni qui date yo te gen pour yo te sortil. La palais de courrier électronique ancien directeur campagne Hillary Clinton nan John Podesta. Monsieur Stone dit fini pas dit li pat jamais mêlé nan aucune activité illégale nan non client yo. Toujours l'actualité internationale là, la police en Israël fait qu'on est nèg armé té ouvert coup d'zam dans entrée en colonie peuplement juif tout près ville Jérusalem côté li touye 3 agents sécurité. Autorité yo fait qu'on est yon 4e garde sécurité israélien blessé tout dans attaque là qui fait dans devant communauté yon communauté israélienne Ad Adar. Yon porte-parole la police fait qu'on est assaillant et entré dans poste inspection ensemble avec travailleur et après ça il était ouvert coup d'zam. Nèg Amia mouri en babal l'autre force sécurité qui était présent. Président Donald Trump a annoncé jeudi Madia li pral visiter Porto Rico mardi Cap Vinila soit deux semaines après territoire américain a subi gros dévastation en bas cyclone Maria. Président Trump qui dit li choisi date mardi 5 octobre la Cap Vinila pour aller sous Ilea, yon façon pour pas déranger travail secourisio dans cadre effort qu'a fait souterrain pour aider victimes ouragan catégorie 5 là. Oui, président Trump précisé les États-Unis déjà voyé en pile assistance by population. We have shipped massive amounts of food and water and supplies to Puerto Rico and we are continuing. President Trump dit là nous voyons gros quantité manger à glo et matériel by Puerto Rico et nous continuer à faire ça chaque temps cap passé mais il a été subi plus gros frappe nous te ca imaginer. Il a nous dit à président Donald Trump te voyé yon pour nous la on ça cap passer les boulons mais la déboulonner gouvernement. C'était ancien président Sénat haïtien, Dieusel Simon Dera. Et c'est là qu'on prend en pause en vent nous à l'ouest. Point cap dominé actualité à sous plan international. We'll be right back.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Bienvenue dans le développement actualité à sous plan international. Les États-Unis imposaient sanctions sous 8 banques avec 26 autorités bancaires en Corée du Nord dans un moment tension à monter entre Washington et Pyongyang à cause du programme nucléaire nord-coréen. Dans une déclaration, le ministre Trésor américain Steven Mnuchin fait paraître, il dit Napsité. Décision ça vient renforcer et stratégie nous pour nous isoler Corée du Nord plus toujours de quoi pour nous réaliser objectif nous qui c'est river gagner une presqu'île Corée Pacifique et sans arme nucléaire. Fin de citation. Semaine passée, le président Donald Trump a été signé un décret qui mandait nouveaux sanctions contre quelques monde et entreprises qui a financé commerce avec régime communiste isolé nord-coréen et financé tout programme développement zamlien. L'autre point dans l'actualité internationale, là, consultant politique américain Roger Stone, qui associé depuis longtemps avec président Donald Trump, fait qu'on est l'impact mêlé dit tout dans soi-disant manque et mélange qui t'a fait avec la Russie et qui t'a gagné rapport avec l'élection présidentielle année passée. Monsieur Stone parlait comme ça à Jody Madia avant l'été présenté devant commission service secret Chambre des représentants pour te faire déposition. Non, yon déclaration consultant politique la publié nan avant ouverture session.